Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le Nicer Dicer de la marque Genius. Donc c'est un appareil qui fait plein de choses. Comme vous pouvez le voir sur le plan de travail, il y a énormément d'accessoires. Donc là on a le modèle avec 16 pièces, donc on a bien les 16 pièces. Je vais vite fait vous présenter ce produit et après on fera les différents tests pour voir si effectivement ce super découpe légumes coupe aussi bien qu'il en a la réputation. Donc il est composé d'un réceptacle de 2,4 litres, donc quand même assez grand pour pouvoir mettre les légumes. Vous avez les éléments de découpe qu'on met au-dessus, la partie inférieure et la partie supérieure. Pour la découpe des légumes à proprement parler, vous avez plusieurs grilles. Une grille de 2,4 cm. Une grille de 1,2 cm, idéale pour les frites par exemple, et une grille de 6 mm si vous voulez faire des tout petits cubes, tout petits bâtonnets. Vous avez ici celui-là pour couper en 4 ou couper en 8. Il s'adapte très facilement en un clic. C'est bon. Voilà. Il y a les boutons poussoirs à adapter, ici, parce qu'il y a celui-là d'office, mais il y a celui-là, donc grand, petit, et pour la découpe, en rond, donc ils sont à insérer ici. Voilà. Donc tout ça, ça va ensemble. Ensuite, il y a la fonction mandoline. Donc on a une super mandoline ici, donc avec le petit cache de protection. Une lame qui coupe bien. La mandoline permet de faire permet de trancher, mais permet aussi de faire des juliennes. Pour cela, il suffit de tourner la molette ici. Hop. Et des petits picots apparaissent. Il est possible de choisir, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais il est possible de choisir la taille de la découpe. Donc de très fin jusqu'à plus gros, il suffit de tourner. Possible de la bloquer, voilà, pour que justement en sécurité, pour que les enfants ne se fassent pas mal. Elle s'adapte facilement sur le boîtier pour une stabilité de coupe grâce au petit pied anti-adhérent du réceptacle. Vous avez avec le handy hopper ou le bouton poussoir, vous mettez votre légume. Et ça rentre dans la rainure. Voilà. Comme ça, aucun risque de se couper. Ça fonctionne aussi pour les légumes ronds. Un peu gros, une grosse pomme de terre par exemple, on peut la piquer et on peut... trancher sans se blesser. Ça, c'est pour la mandoline. Je remets le cache pour ne pas me blesser. Pareil, elle s'enlève facilement. Voilà. Dernier accessoire avec cette mandoline, enfin avec ce découpe légumes, c'est l'appareil pour faire des genres de tagliatelle de légumes. Vous le mettez comme ça et il y a deux accessoires, un lisse et un dentelé. Il suffit de le mettre ici et ensuite, je pense que ça doit servir un peu plus. Et ensuite, il vous suffit de prendre votre légume, de tourner en fait comme un taille-crayon, exactement comme un taille-crayon. Et vous aurez à l'intérieur de votre réceptacle de super tagliatelles de légumes. C'est très très bon, tagliatelles de carottes, de courgettes, ça a revenu à la poêle, franchement, c'est super bon. Hop. Voilà, ensuite vous pouvez aussi, une fois que vous avez terminé, que tout est dans votre boîte, genre votre salade de fruits par exemple, ou
votre salade de légumes, l'un ou l'autre. Une fois que vous avez terminé, vous avez le couvercle pour pouvoir ranger le tout au frais ou l'emmener, je sais pas, chez les copains. Voilà, c'est pratique, il est fourni avec. Donc voilà, c'est le Nicer Dicer de Genius. Et maintenant, on va le tester pour voir ce qu'il donne. Hein, parce que là, il donne vraiment envie, ça a l'air super. On va voir si les résultats sont à la hauteur.